Et c'est au tour d'Orelsan et de Grinch de venir dans les fauteuils. Pour commencer loin, les casseurs flotteurs. C'est vrai que je ne vous ai pas encore appelé comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'on doit vous appeler. On peut nous appeler comme ça, c'est notre nom de groupe. Le nom de groupe, les Casseurs Flotteurs, le DVD du film Commencez Loin, mais aussi la bande originale. Et je vous propose d'ailleurs, avant de commencer, de regarder deux extraits, deux morceaux de cette bande originale de Commencez Loin, extrait du DVD. J'essaie de faire de mon mieux, et je m'ennuie quand tout devient sérieux. En partant, je leur dis droit dans les yeux. De quoi? Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis pas, faut que je me pardonne. Et on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire, c'est vers le bas, on s'y fait, on vit presque pas. À partir de maintenant, je commence mon ascension. J'ai plus peur du vide, d'affronter la spirale sans fond. Donc j'arrête d'arrêter, j'abandonne l'abandon. Si je dois finir une seule chose, c'est cette putain de chanson. Inachevé à cette putain de chanson. Donc je ne redis rien sur la fin du film parce que je vais me faire engueuler, mais en tout cas cette chanson inachevée, c'est au fond le Graal, voilà, que vous cherchez tout au long de Comment c'est loin, ce film qui est une comédie, hein, quand même, il faut le rappeler. Avant tout, moi je me suis marré en vous voyant l'un et l'autre. En fait, le vrai pitch du film, c'est l'histoire de deux gars qui font de la musique depuis 10 ans et qui n'ont jamais fini une seule chanson, mais ils s'en étaient pas rendu compte. Ouais. Mais alors justement, vous au départ, c'est la chanson, mais aussi le fait d'être acteur dans votre tête, ce qui traîne depuis votre vous êtes jeune encore, mais depuis votre adolescence. Est-ce que vous aviez envie d'être acteur en plus d'être chanteur? Pas spécialement. L'acting, c'est venu parce que je pense que le film, il y avait plus de poids si je jouais dedans. Moi, c'était plus écrire et réaliser qui me plaisait. Je sais que Gringe a toujours voulu être acteur et je savais que Gringe jouait bien. Ça a été une motivation aussi pour faire le film. Mais moi, jouer la comédie, ça m'a plu parce que c'est plus marrant que quoi que ce soit d'autre. Mais je veux dire, c'est un métier cool. Mais c'est pas ça qui m'a motivé à faire le film. Mais c'est vrai que vous êtes réalisateur aussi, on peut le dire, Yann Moix, c'est un réalisateur, oui, Orelsan. C'est un vrai film. C'est un vrai. En fait, tout sonne vrai dans le film, tout. Il y a beaucoup de comédies qui essayent, puis tout est faux, tout sonne faux, ça marche pas, ça prend l'autre partout. Vous, ça coule de source. On a vraiment l'impression d'être dans votre réalité. Et puis, je vous trouve, il y a un truc très bizarre, c'est que vous commencez juste à faire des choses, vous êtes déjà, on a l'impression que vous emmerdez, vous êtes blasé, enfin, ça ne vous émerveille pas plus que ça. Moi, j'aime bien les duos, on a un peu l'impression, c'est un peu comme si Éric et Ramzy étaient drôles et modestes. C'est-à-dire qu'enfin, on a un vrai duo sympathique, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, et j'aimerais que vous gardiez ce côté artisanal. Parce qu'il y a vraiment un truc, on dirait, fait à la main, quoi. Ouais, et ça, c'est précieux. Que... J'ai peur qu'un type vous propose ensuite de faire un très gros film avec une débauche de moyens et que vous perdiez votre ADN. Ce qui est précieux vraiment dans le film, c'est ce que vous êtes vous, quoi. Et ça, c'est vous ne trichez pas. En fait. Voilà. Et j'ai vraiment peur que cette fraîcheur, ce côté presque blasé, branleur, etc., qui n'est pas facile à créer quand on fait un film, c'est quand même un film, c'est quand même un mensonge. Donc il faut le recréer, faut la recréer, cette ambiance. Ma trouille, c'est que dans la suite... vous soyez dénaturé par trop d'argent, trop de propositions. Si vous pouviez rester ça longtemps, ça serait extraordinaire. D'ailleurs, vous avez pensé à un moment donné à Michel Blanc et à Marche à l'ombre. C'est un de vos films, si ce n'est culte, en tout cas référent. Et c'est vrai qu'il y avait, avec Gérard Lanvin et Michel Blanc, ce côté glandeur à l'époque, évidemment, une autre génération. Vous avez même pensé à lui demander de jouer dedans, mais finalement, c'était mieux qu'il n'y soit pas. En fait, j'avais rencontré Michel Blanc parce que mes producteurs le connaissaient. Et du coup, moi, Marche à l'ombre, c'était une super rêve pour le film et je suis fan de Michel Blanc en tant qu'acteur. Et du coup, j'avais demandé s'il voulait bien lire le scénario, parce que c'est lui qui a réalisé Marche à l'ombre. Et donc, il avait lu le scénario, il avait bien aimé. Et il y a un personnage, donc le patron de l'hôtel, et je me disais, putain, Michel Blanc, il ferait bien quand même. Puis, il y a le truc où c'est ton premier film, tu te dis, ah, il y a Michel Blanc. Mais d'un autre côté, avec Christophe Offenstein, avec qui j'ai co-réalisé le film, on se disait, c'est un film qui amène un truc un peu différent, ce serait bien qu'il n'y ait pas d'acteur connu. Mais bon, je me suis dit, bah, autant demander à l'intéresser. C'est-à-dire, j'ai été voir Michel en lui disant, ouais, j'aimerais bien reparler du scénar et puis discuter un peu, mais je lui avais pas dit pourquoi c'était. Je vais le voir. La première chose qu'il me dit, c'est, bon, écoute, j'ai réfléchi à ton film, il ne faut pas d'acteurs connus. Ou alors dans leur propre rôle. Oui, ou alors. Michel Blanc dans le rôle de Michel Blanc. C'est ça, ça aurait. Et vous alors, Gringe, vous saviez que vous étiez acteur? Je savais que. Non, c'était une première expérience de comédie pour moi comme pour Aurel.
Je ne savais pas. Moi, j'ai ressenti comme un espèce de, un déclic pendant le tournage. J'ai jamais voulu être comédien, mais du coup, cette espèce Est-ce que vous avez voulu être chanteur d'ailleurs aussi? Jamais. Non plus. Vous vouliez être quoi? Rien. Moi, c'est le sujet du film. Projet de vie d'un hamster. Je peux référence à Aymeric Caron parce que j'ai acheté le bouquin sur l'antispécisme. Mais je me disais, mais moi, j'ai vraiment eu le projet de vie d'un écureuil toute ma vie. Ouais. Et du coup, mon ami m'a offert cette chance incroyable. C'est-à-dire que à la fois, on a pu faire un album ensemble qui a mené au programme court bloqué et au film. Et oui, effectivement, j'ai pris un pied immense à jouer à la comédie. Et depuis, je suis en quête de ça. Écoutez, vous êtes bons et l'un et l'autre. Et après tout, peut-être on vous sollicitera après pour jouer dans d'autres films en tant qu'acteur. Allez savoir. Léa Salamé. Oui, donc j'ai pas fumé pour regarder le film. Et donc je suis d'accord avec Yann, c'est-à-dire que vous avez un talent fou. Vous avez en fait un capital sympathie incroyable tous les deux. C'est injuste la vie, mais on vous aime bien, quoi, en fait, immédiatement, parce que vous, peut-être, j'aime pas trop ce mot qui est un peu éculé, vous êtes sincère, quoi. Il y a quelque chose qui passe, qui est frais et qui est juste et qui est sans effort et sans fioriture et sans masque. Moi, ça m'a fait penser à la haine dans l'ennui, parce que finalement, à l'origine de la haine, c'est l'ennui dans ces banlieues, sauf que ce serait la haine reproduite dans un univers houellebecquien. J'ai trouvé que votre film était très houellebecquien, du nom de Michel Houellebecq, parce que vous ne savez pas qui est Emmanuel Macron, donc je situe. Ah, vous avez bien lu les interviews. C'est vrai que vous ne saviez pas qui était Emmanuel Macron. Après, c'était il y a 6 mois. Bon, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, vous visualisez depuis, je vois qui c'est. Mais Houellebecq, vous voyez qui c'est Houellebecq? J'ai lu Houellebecq, ouais, j'aime beaucoup Houellebecq. Et vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose de ce long ennui de l'homme blanc occidental dans ces zones périurbaines où c'est un désert culturel, où il ne se passe rien, où c'est un désert sexuel, un désert tout? Et moi, ça m'a rappelé. Quand de savoir ça. ça m'a rappelé le début de. Les premiers Houellebecq, Extension humaine de la lutte et les particules élémentaires. Je trouve qu'il y a quelque chose de ça que vous avez très bien retranscrit. J'ai peur qu'ils vous contredisent parce que moi, j'ai lu dans leurs interviews le contraire. C'est-à-dire que vous dites non, c'est pas l'ennui, on s'ennuie pas. En fait, pour moi, les personnages ne s'ennuient pas. C'est des gars qui, justement, trompent l'ennui, qui savent pas vraiment quoi faire. Parce que, un peu comme dans la série Bloquée, les mecs peuvent être côte à côte sur un canapé pendant une semaine et s'amuser parce qu'ils font des petits jeux, ils font des blagues. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de jeux de la langue. Et en fait, ils trompent l'ennui parce qu'ils ne connaissent pas vraiment leur place, en fait. Mais Laurent, il y a une chose que j'adore, c'est que rien n'est surligné. Par exemple, il y a un black, à un moment donné, vous lui donnez les clés de chez vous parce qu'il doit... Dans un film qui aurait voulu surligner... C'est un client de l'hôtel, au voilà, départ. On aurait surligné ça. Le fait qu'on a été gentil avec un black qui dormait à la rue. Vous, hop, c'est naturel. Les répliques cultes, parce qu'il y en a plein, ne sont jamais soulignées. Elles passent dans le reste comme si elles n'étaient pas cultes du tout, alors que ça fourmille. Et tout est fait avec une forme de flegme, à tel point que je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous faites? Même question que celle que j'ai posée à Pélève, vous faites quoi de vos journées? C'est quoi d'être un ado de 35 balais? Alors, on n'est plus dans le mode de vie qu'on décrit dans le film. Ça fait quelques années qu'on... Maintenant, vous bossez beaucoup, en fait. Qu'on bosse beaucoup, ouais. Mais bien heureusement, d'ailleurs. Mais c'est vrai que... Ça vous manque, la glande? Pas vraiment. Moi, j'ai été oisif très très longtemps. Là où Aurel, c'est vraiment un faux glandeur, quoi. Aurel, il bosse beaucoup, en fait, aussi. C'est un gros bosseur qui fourmille de plein d'idées. En fait, c'est un énorme capitaliste. C'est un espèce de... Rivaton bis. C'est un hyperactif, Aurel. Sous ses airs très nonchalants, c'est un hyperactif. Et moi, j'ai toujours été un peu plus suiveur, ouais. Et donc, ça nous manque pas, non. Vous dites dans une de vos chansons « Oublie tes rêves prétentieux » et puis il y a une autre chanson où vous dites « Je finis pas mes phrases, je finis jamais rien, je fais rien à fond, donc je serai qu'à moitié triste ». Est-ce que c'est ça, en fait, qui explique tout? C'est que, en fait, c'est une protection contre la souffrance, donc mieux vaut ne rien faire parce que comme ça, on ne souffre pas? C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de léthargie et tout ça, ça naît de la peur de l'échec, du manque de confiance en soi. Et donc, tu dis, de toute façon, si j'essaye rien, je ne vais pas échouer. Donc, c'est là aussi, quand tu parles du blues, de l'homme blanc moyen, c'est aussi ce côté, de toute façon, on n'est pas à plaindre. On voit les mecs dans le film ne sont pas... triste parce qu'ils ont des petits jobs, parce que justement ils s'amusent comme ça. Après, je pense que les personnages du film, ils sont quand même sur une brèche, et si tu les prends 10 ans plus tard, ils seront vraiment plus dans la tristesse. Mais il est temps de se bouger quand même. Ils se plaignent jamais, vos personnages se plaignent jamais. Oui, c'est ça. Au veilleur de nuit, c'est chouette. Et les femmes, elles sont où? Pas trop présentes dans le film, hein? Déjà, c'est des grands ados, donc c'est l'histoire de deux potes, ça laisse pas énormément de place. Et la prostitution, quand même. Il y a ma grand-mère.
Qui n'a rien à voir. Rien à voir avec la prostitution. Rien à voir. C'est lui la prostitution. C'est lui le client. Il l'essaye. Moi, j'aurais tendance à dire que la non-place des femmes dans le film, déjà, c'est pas celle qu'on leur réserve dans la vie. Pas celle que vous leur réservez dans la vie. Dans la vie, oui, bien sûr. Bien sûr qu'elles ont une place très importante. On est en couple depuis très longtemps et c'est une bromance qu'on raconte. Cette histoire d'amitié immature, effectivement, elle laisse peu de place à la question amoureuse. Orelsan, est-ce que vous êtes féministe ? Ah, on a fait un épisode dans Bloqué sur le féminisme où justement c'est Gringe qui m'apprend ce que c'est vraiment le féminisme. Et je fais, mais en fait, je suis féministe. Je ne peux pas dire que je sois féministe dans le sens où je ne suis pas à des manifs féministes. Après, en tout cas, je ne suis pas sexiste. Vous n'êtes pas obligé d'être féministe. Oui, c'est ça. Non, je dis ça parce qu'évidemment, le sparadrap qui vous a collé à la peau sur cette polémique autour de votre chanson, de vos paroles un peu qui ont fait hurler les féministes, vous êtes allé en justice. C'est bien décollé quand même ce sparadrap. Ouais. C'est fini là. Hein. Vous en avez... Tu viens de le remettre Léa ce soir. non mais parce qu'il faut bien quand même un peu... Déjà j'ai gagné mes procès donc c'est comme si l'histoire n'avait pas existé. Après tout le monde a sa définition du féminisme. Moi je pense qu'on est pour l'égalité de tous les êtres humains et je pense que c'est aussi ça qui se voit dans le film, c'est qu'on est, on est sympa quoi. Donc logiquement, si on est sympa avec les femmes aussi. Dans la vie, vous êtes sympa avec les femmes ? Ah bah ouais. La question. Est-ce que vous avez déjà dit que vous avez la voix d'Homer Simpson ? Ah c'est marrant. La voix française. Ouais, la voix française de Philippe Pétieux. Ouais. Non, on ne l'a jamais dit. non mais là on est totalement dans l'esprit du film. C'est très drôle. Les titres de l'album donnent aussi d'ailleurs et l'esprit du film et des chansons, parce que moi j'appelle ça des chansons. Le rap sont des chansons, sont des morceaux. Quand on perd en gueule, faut qu'on rentre bosser, c'est toujours deux connards dans un abribus. Par exemple, on est resté à l'hôtel quand on descend vers le centre et inachevé, évidemment. Écoutez ça et regardez le film, ça va vraiment vous plaire, vous amuser. Et j'aimerais aussi qu'on vous voit dans deux titres où vous êtes, l'un et l'autre, bloqués, et ils sont cool. Des plaques, tu remontes jamais le niveau. Ta voiture a calé sur le passage à niveau. J'ai perdu toutes mes vies dès le premier niveau. La bulle d'air sous mes choses me sert de niveau. Le père de Ranma finit toujours en panda. Je veux faire plus de clics que le sneezing panda. T'as un œil au beurre noir, t'as la gueule d'un panda. Paris-Marseille assise dans une Fiat panda. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Bim bada bim, bim bada boum, ils sont cool. Bada bada boom, cool. Et ça fait bim bada bim bada boom, ils sont cool. Bim bada bada boom, cool. En tournée dans toute la France. Les Casseurs Flotteurs, vous serez au festival Rock en Seine à Paris le 27 août prochain. J'imagine qu'il y a d'autres festivals pendant l'été où vous serez à l'affiche en tournée, en tout cas dans toute la France. Un mot encore, puisqu'il est tard, je crois qu'on peut passer un extrait de cette chanson. Catherine Barma m'a dit, je veux absolument, absolument, parce que Catherine Barma adore cette chanson, que tu passes un extrait de « Tant pis j'y vais », je vous cite. La Saint-Valentin ? « Sus ma bite pour la Saint-Valentin ». J'y ai le droit à chaque fois. Ah oui, ouais, bah moi j'ai passé cette chanson très souvent sur Europe 1 à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur RTL, ils ne m'ont pas gardé à cause de vous. Non, franchement, là, ceux qui n'ont pas perçu l'humour derrière cette chanson n'ont rien compris. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire crier. Je te tèche la veille et je te baisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire crier. Je te tèche la veille et je te baisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Vous n'avez pas l'air d'assumer, Gringe. Expliquez. Il vous a encore embarqué dans une affaire où vous ne vouliez pas être, c'est ça ? Il aurait dû être tant suiveur que ça. Ouais. Non, pas du tout. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Vous étiez mineur en plus à l'époque. Et j'étais mineur, j'allais sur mes 12 ans. Ouais, mais ça me fait toujours rigoler. Quoi. C'est un truc qui est au 15e degré. Bien sûr que j'assume. Il n'y a que ma mère qui a fait me renier la première fois qu'elle a vu le clip. Mais, mais non, sinon c'est une grosse blague. Quoi. Et votre grand-mère, vous alors ? Ah, ma grand-mère, elle a du mal à comprendre un clip, déjà.
Allez, on vous laisse tranquille. Je sais pas si elle l'a vu d'ailleurs, je lui montrerai jamais. Ah non, bah. Ouais. Pensez qu'elle nous regarde pas, elle est couchée à cette heure-ci alors. Non, là, elle nous regarde là. Ah oui? Bah oui. Ah bah alors là, c'est elle pas là. Elle est sous Guronzan là. Elle est devant la télé. Mais qui est con? Vous me faites rire en tout cas. Aurel San et Grinch, comment c'est loin le DVD et l'album. Merci à tous les deux pour vos passes.